Bonjour à chacun et chacune. Je vous avais parlé d'une vidéo sur le sous-titrage en novembre dernier. Mais je ne vous ai pas parlé comment faire un sous-titrage efficace. Pour cela, il faut aller dans l'onglet sous-titres et ajouter des sous-titres. Pour nous, c'est français. C'est simple, non? Voici donc 4 astuces. 1. Écrire son texte à l'avance, bien correctement, et le copier-coller dans Transcrire et synchroniser automatiquement. 2. Bien faire des sauts à la ligne pour que ça colle bien à la voix. 3. Mettre ce tag. Mais pourquoi faire? Pour éviter de penser aux gens de mettre le sous-titrage automatique. Attention, hein, pas le sous-titrage automatique de YouTube, hein, votre sous-titrage. Mettre à contribution la communauté YouTube ou votre entourage pour corriger vos sous-titrages. Vous allez à l'onglet sous-titres et tout en bas, vous activez la contribution aux sous-titres. Alors bien sûr, cela ne corrigera pas en temps réel. Hein. C'est vous-même qui validerez les corrections, c'est vous qui maîtrisez. Voici un rappel de ces 4 astuces en musique. N'oubliez surtout pas que le sous-titrage doit être automatique, un réflexe, et que c'est important que ça soit propre, cohérent et compréhensible par tous. Merci pour cet effort qui sera fortement récompensé. Je souhaite vraiment pouvoir rendre YouTube accessible pour les personnes sourdes et malentendantes, avec des sous-titres en français. Je vous annonce également aussi que je vais animer la page Facebook, vidéo YouTube sous-titrée en français. L'objectif est simple. Partagez ensemble des vidéos sous-titrées en français de chaîne YouTube. Vous trouverez plus d'informations directement sur la page avec le lien en dessous ou là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à partager et surtout à t'abonner. Sur ce, à très bientôt sur la vidéo ou sur la page Facebook. Ciao.